jour les amis de santé et divertissement. Dieu vous bénisse, trouvez des conseils de beauté, des recettes, des conseils de santé et bien plus encore. Nous mettons en ligne 10 vidéos chaque semaine, pour ne rien perdre de santé et divertissement, abonnez-vous. Évitez d'avoir un kyste et le cancer rahim si vous ne le faites pas ceci pendant vos règles, qui sont nocifs pour votre santé. Dans cet article, nous allons mentionner certaines choses que vous devriez garder à l'esprit. Ne faites pas ceci quand vous êtes avec votre période menstruelle et prenez soin de votre santé. Tandis que certaines des femmes qui lisent en ce moment et ont de la chance qu'elles ont une période facile, d'autres femmes traversent l'enfer. Ne faites pas cela pendant votre période et prenez soin de votre santé. Sexe sans protection. Bien que cela semble étrange, pendant ce temps, il y a beaucoup de chances de tomber enceinte. Par conséquent, afin d'éviter les infections, la meilleure option est d'éviter les rapports sexuels pendant une période. Ne sautez jamais de repas. Il est important de mentionner que vous ne devriez pas sauter de repas lorsque vous êtes dans une période donnée. Pendant ce temps, vous perdez beaucoup de sang et la nourriture vous aidera à vous sentir plus énergique. Ne va pas au travail physique. Pour les femmes qui souffrent de maux de dos ou d'estomac pendant les règles, il est recommandé d'éviter tout effort physique, car cela aggravera la douleur. Mangez de la restauration rapide. Bien qu'il semble que la restauration rapide à 0-2 heures, c'est une bonne idée, votre estomac n'est pas d'accord. Essayez de manger en quantité modérée et mangez des aliments sains. Travail. Beaucoup de femmes ne sont pas en mesure de travailler pendant leur période et ce serait très bien si les femmes ont le droit de prendre une pause pendant cette période du mois. Pourtant, nous ne vivons pas dans un monde parfait. Soyez éveillés toute la nuit. Vous vous sentirez certainement beaucoup mieux si vous vous couchez tôt. Nous vous recommandons de jouer quelques sons pour dormir et essayer de vous détendre. Conseil supplémentaire. Il n'est pas recommandé de boire de l'eau glacée. Cela peut conduire au sang menstruel restant dans la paroi de l'utérus, qui après 5-10 ans pourrait conduire à kyste et cancer rahim. Évitez l'eau gazeuse. Essayez d'éviter les concombres, car la substance consistée en concombre peut causer un peu de liquide dans les parois de l'utérus. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à nos chaînes. N'oubliez pas de vous abonner. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous. Fais-nous connaître ton avis. Partage avec nous dans les commentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, vous aimez cette astuce? Partagez-la avec vos amis sur Facebook. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.